J'ai perdu mon épouse il y a pas longtemps, donc... Vous cherchez quoi, là? On va voir 6 tirs chacun avec le frérot Seyard. À la fin, ça va donner un numéro de téléphone. Le perdant va devoir appeler. Et bien évidemment, le gagnant devra donner une contrainte pour celui qui va appeler. Et on va voir ce que ça va donner, quoi. Ça se trouve, on va tomber sur le président. Seyard, je te laisse commencer. On va commencer avec un 06. À chaque fois, on va alterner. 06, 07, 06, 07, 06. Non ! 7. 9. 06, 79. 9. C'est à quoi pour moi, c'est trop facile. Mec, même en faisant sans faire exprès, je suis fort. On tire de la main gauche. 0, 6, 7, 9, 9, 8. Ouais, ça fait vrai le bruit. Ouais, main gauche. Oh, t'es un malade, toi. Oh non. On va dire, ouais, c'est le 3, plus proche du 3. Bon, ceux-là, vous allez pas les voir, on va les flouter au max parce qu'on sait pas sur qui on va tomber. Ferme les yeux. T'es un malade. Celui qui fait le plus petit chiffre, c'est le perdant. Je te jure que je vois pas là. Vas-y. Putain. J'ai le numéro, il va s'amuser à le flouter. Connard. Bonjour, c'est vous qui vendez les caleçons Calvin Klein sur le bon coin? Bonjour, vous êtes sur le répondeur à... Son téléphone est éteint. Bon, du coup, on a changé d'endroit. On est venu dans un endroit beaucoup plus grand. Oh! Mec, c'est bien plus dur comme ça. C'est bien plus c'est dur. C'est bien plus, dur bien plus divertissant. Et let's go, man. Oh, dommage. Quand on touche pas la cible, c'est zéro. Ah ouais. Il y en a là-dedans, putain, heureusement que ma mère m'a crié. Putain, mais ça t'arrive d'être intelligent. Par contre, il paraît qu'il est vivant tout si tu y es. Elle se colle mieux. Il a léché. 0-0. J'ai cassé. Mais non. C'est sur le 1, là. Ouais. Bon, on s'est rapproché parce qu'on s'est rendu compte qu'on était des grosses merdes. J'arrive pas à viser, hein. Tout va jouer sur le dernier tir pour savoir qui va appeler. Oh le bâtard, il vise trop bien ce mec. Tiens. Oh tiens, en mode je suis son stagiaire. Ah. Allô. Bonsoir monsieur, en fait je vous ai donné mon numéro tout à l'heure sur Le Bon Coin et j'aimerais savoir si c'est bien vous qui vendez les caleçons Calvin Klein. Ah non, c'est pas moi. Mais vous avez pas de caleçon Calvin Klein? Est-ce que vous avez d'autres choses à vendre, s'il vous plaît? Comment? Attends. Allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir monsieur. Monsieur, en fait, je vous contacte pour savoir si vous vendiez quelque chose par hasard. Pas du tout. Ah, ok, je suis prêt à acheter parce que de base, j'étais parti sur des caleçons Calvin Klein, mais je me dis qu'il avait l'air sympathique, le monsieur. Non, mais vous faites une erreur sur le numéro de téléphone, monsieur. Vous cherchez quoi, là? Des caleçons. Non, allez, arrêtez. Vous avez du temps de perdre. Oh, bravo mec. T'as tenu combien de temps? Faut qu'on regarde à la fin, bien sûr, celui qui a tenu le plus longtemps, il a gagné. Ah ouais? Une minute. Waouh, c'est fort une minute sur rien que tu connais pas. Bon allez, c'est parti, maintenant, là, on va aller un peu plus vite parce qu'on est mec chaud et tout ça, tu vois. Ouais, let's go, on enchaîne. Mais il est trop fort ce mec, c'est pas possible. Je pense qu'il faut que j'aille au bout de là-bas, là. Bismillah. 2. Ah, c'était sur le noir. 7. Ah, putain, il est trop fort, il vise trop bien ce mec. Ça a touché le noir. T'es sûr? Ouais. 3. Plus 3 ouais. Que 7. Allez, ouais, 3, allez. Oh, putain. C'est parti pour le dernier chiffre. Ah. Je dois dire quoi? Tu dois draguer. Soit un mec ou une meuf, tu dragues. Allô? Oui, bonsoir. J'aimerais savoir, en fait, si vous tireriez pas à l'arc par hasard. Non. Pas du tout. Car vous m'avez touché en plein cœur. Ah, mais... Non, je peux pas m'en aller sur une défaite, madame, s'il vous plaît. Y'a qui à l'appareil? Ma chaîne YouTube, c'est Michou, au cas où. Vous conduisez, madame? Attendez. Mais je m'avais attrapé, y'a un vrai date, là, gros. On tombe sur des gens trop bien, genre. Ah. C'est combien? 3. Putain, il vise trop bien, ce mec, j'en ai marre. 06, 38. J'adore ce pack. Putain, mais tu tires trop bien! J'ai un problème, je sais pas ce que j'ai. Mais... Mec, l'enfant sur l'image, il joue mieux que moi. Non, s'il te plaît. Aïe! Ça fait trop mal, wesh! Enfin! Non, je vise pas. Tu lui poses des questions totalement débiles sur genre comment il regarde la télé. Bonjour, s'il vous plaît, ne pas utiliser ce répondeur. Donc, interdiction formelle de l'information. Allô, je vous appelle parce que vous m'avez dit que je pouvais répondre à ce répondeur. S'il vous plaît, rappelez-moi au plus vite. Bon, j'ai laissé un message parce que franchement, on a fait les 06 et les 07 et on va pas inventer des faux numéros, ça serait pas drôle. Ouais. Donc, on retire, c'est parti. Vise le 10, si tu vises le 10, je te suce ce soir.
Ah, désolé, tu m'as motivé, je fais mieux que d'habitude. 7 9 06 79. On peut dire que t'es un... Que j'aime le sexe. Putain. Oh merde. Ah, s'il te plaît, ça fait trop bien. Viens si t'as des couilles. Vas-y, viens si t'as des couilles. Ah, ah désolé. Oh, ça défonce le doigt. Désolé. C'est insupportable, ce comportement. Putain. J'ai trouvé la technique. Faire fou, gros. Oh non, voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est parti pour les deux derniers numéros que vous n'allez pas voir. Sache, moi je suis un malade et lui il vient de voler les sacs à main de ta mère. Papa. Oh, la vie de ma mère, gros. La combien? Ouais, je suis trop beau. Si tu me touches, tu gagnes un MacBook 14 pouces D14, nique sa mère, slap. Ah. Oh non, et c'est combien? Fais chier. Là c'est au tour d'Anthony à appeler. Qui c'est Anthony? Pardon, je suis censé faire du bien. Oui, allô, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous dérange pas? Non, dites-moi. Ma prof, elle m'a demandé de faire des sondages et appeler des gens. Alors, sur le... quand vous regardez la télé, vous êtes à peu près dans quelle position? Assis sur devant la télé ou allongé? Assis. D'accord. Attendez, je note. Assis. Quand vous dormez, vous êtes plutôt sur le dos, sur le ventre? Sur le côté. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait des rêves érotiques? Ah, voilà, alors, et quand vous faites des rêves? Quand je fais? Quand vous faites des rêves, c'est quel genre de rêve? Je m'en souviens rarement. Alors, par exemple, le dernier que vous avez fait? Je m'en souviens pas. Et c'est dans quel cadre, votre questionnaire, hein? C'est une classe pour justement, j'aimerais bien apprendre la psychologie. Mais par exemple, est-ce que vous faites, enfin, ça vous est déjà arrivé de faire des rêves érotiques, du coup, enfin... Non, rarement. Alors, voilà. Et dernière question, est-ce que vous pensez que Spider-Man existe? Je sais pas pourquoi, mais... Non. Vous aimez les hommes ou les femmes, du coup? Je suis désolé, c'est déplacé, mais c'est ma prof, elle nous a posé des questions comme ça. Les femmes. D'accord. D'accord. Bah, écoutez, je vais pas plus vous déranger. Et je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Ça marche, merci. Mec, il était si gentil. Moi, on m'appelle, on me dit que vous avez 2 minutes, mais nul taros. Mec, c'est un 4, ça. 3. Attention, tous ceux qui ne sont pas abonnés vont recevoir la flèche dans la gueule. C'est un 0. Mec, t'as 40 ans ou 15? Putain, il vise trop bien ce mec, j'en ai marre. 8. C'est quoi? Ok, 3, 2, 1. Wow. Mec, tu m'as fait peur, je visais même pas le truc. Ah, elle est passée près de moi ou pas? Non. Dans ma tête, vraiment, c'était... Tu sais, j'ai tourné comme ça en l'air, ouais. Au ralenti. Pour moi, c'était comme ça. Mais... 4. 4. C'est vraiment la loose, mec. Tu vois l'éclairage? Merde. Il est parti là-bas. Et tu dis que j'ai acheté votre costume, je l'ai sur moi, il est plus sympa. Excusez-moi, je vous appelle suite à... Vous savez, je vous ai acheté le costume Spider-Man et malheureusement, je l'ai sur moi et bah, c'est vrai qu'il est un peu bizarre, il a des trous et ils sont pas très bons. Je voulais savoir si ça serait possible bah, du coup de refaire l'échange parce que je suis vraiment pas convaincu par le costume. Je pense que vous êtes trompé numéro. Spider-Man? Vas-y, t'es pas drôle, connard, va. Regarde comment je tire, regarde comment c'est agaçant, comment je tire. Oui. C'est comme ça qu'on vise, ok? Ah, ça... Le 4. Oh. Oh, mais putain. No scope, 360. Wesh, pourquoi tu joues mieux comme ça? Ah ouais. Bonjour, j'aimerais travailler chez vous en tant que aide-soignant. J'ai vu, tu le laisses pas parler. Tu le laisses pas parler un seul mot. Un petit excusez-moi, vous êtes trompé. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Moi, en fait, je suis tellement parce que moi, j'ai tellement intégré votre entreprise. Vous vous trompez, monsieur? Moi, je suis retraité. Justement, dans les tournages, il y a beaucoup de retraités qui apparaissent. Non, bah, si vous voulez, en plus, j'ai des problèmes d'handicap. Moi, je suis bloqué un petit peu au niveau des cervicales et des lombaires, alors. Sois gentil avec lui. Ah d'accord, excusez-moi, je pensais que vous étiez l'agence de pornographie et du coup, j'aimerais que savoir ce que vous avez fait de votre journée pour vous redonner un peu moins. Non monsieur, pas du tout. Oh non monsieur, voilà. C'est quoi votre prénom monsieur? Francis. Francis? Trop mignon.
Oui. Vous êtes trop mignon, Francis. Vous avez l'air d'être une personne en or. J'ai perdu mon épouse il n'y a pas longtemps, donc maintenant je suis seul en appartement. Mais bon, j'ai de la famille ici, autour de chez moi, donc ça va. Ah, je suis désolé pour désolé vous, monsieur, qui mais... repose en paix. Et j'espère que vous êtes très bien entouré où vous êtes. Bah ouais, voilà. On vous fait plein de bisous, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée et merci à vous d'être aussi aimable et gentil. Je crois qu'on a appelé le mauvais numéro, là. Bisous, Francis. Désolé pour ton épouse. Frère, le mec, il s'est confié à nous comme si on était ses mères. Presque. On a son numéro, Francis. Si cette vidéo, elle continue, je vous jure qu'on va essayer de faire un truc avec Francis. 2000 likes, on fait 2000 quoi 2000 GM, les mecs. On va le voir et on lui fait passer la journée ouais. de sa vie. S'il vous plaît, partagez-la au max. Mec, ce sera incroyable. On passe une journée avec lui, on lui fait faire des trucs de fou. Ouais. Genre. Eh bien, c'est une fin de tournage. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ah c'est un... Allez, salut. T'es un bâtard, gros.